الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Nous allons capter pour Mayotte, cette île française. Voici ce qu'un frère m'écrit. Je vous écris encore pour une énième fois pour Mayotte. Il y a quelques jours, un homme a fait une vidéo très choquante, appelant aux raqis d'aller réparer préjudice. Apparemment, ils ont nettoyé, cassé les lieux cultes, là où certaines personnes vont pour invoquer des ancêtres et faire beaucoup de sacrifices. Il a osé dire que si Mayotte va mal, c'est à cause de tout ça, que les gens délaissent la culture animiste. Il ose dire qu'on ne fait plus ce que nos ancêtres faisaient pour combattre avec l'ennemi. Ils allaient consulter et faire des sacrifices, des pactes pour, de sang, pour faire couler le sang des animaux sur ces lieux appelés ziyara, ça veut dire visite, que vous connaissez déjà. C'est pour cela que je fais appel à vous pour un captage spécial Mayotte et un grand nettoyage pour les musulmans de cette petite boue de paradis devenue l'enfer sur terre. L'île de Mayotte va très mal, très très mal. Des délinquants de 12, 13, 14 ans ont décidé de malmener la population. Sur tous les coins de Mayotte, il y a des bandes de 30 à 50 jeunes qui attaquent les habitants le soir. Ils cassent et brûlent toutes les voitures garées sur les places de parking. Ils rentrent dans les magasins, tabassent les employés et prennent tout ce qu'ils veulent. Parfois même, ils rentrent dans les maisons avec des armes blanches à la main et prennent tout ce qui est ordinateur, télévision, tablette. Pas plus tard que hier, avant la tombée de la nuit, ils ont kidnappé un monsieur. Il a été retrouvé mort ce matin, Allah yarhamo. Avec tout ce qui se passe, aucun élu n'ose prendre la parole. On dirait qu'ils n'ont pas le droit de dire quoi que ce soit. Il y a 10-15 ans de cela, dès qu'il se passe un acte de violence sur une commune, la population réagissait. Mais ces dernières années, on dirait qu'on a attaché la population pour qu'elle ne se révolte pas, pour qu'elle n'attrape pas ces jeunes pour les corriger. Plus personne n'ose dire quoi que ce soit. Il y a 6 mois de cela, 4 hommes se sont retrouvés en prison parce qu'ils se sont fait justice eux-mêmes. Maintenant, tout le monde a peur parce qu'à chaque fois qu'il y a une association qui veut se révolter, ils se font intimider par la justice. Et pourtant, ils ne font rien pour ces délinquants. Ils veulent qu'on se fasse tuer, violer, traumatiser, mais qu'on dise et qu'on ne fasse quoi que ce soit. Il y a plus de 10 000 plaintes qui traînent. Je vous envoie ces quelques clichés d'agression sur l'île de Mayotte, quelques images choquantes. Donc, je vais aussi passer les images donc dans la vidéo. Mais voilà pour que nous en voyons. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec ces bandes d'adolescents, de petits adolescents, qui se réunissent à 30 jusqu'à 50, et donc ça devient une force imparable. Ils peuvent attaquer un supermarché, ils peuvent détruire des voitures, etc. Et quoi faire, même si on les attrape, ils ne sont pas vraiment punissables par la loi, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose de très grave. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير برأتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رقا ففتقناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي فلا يؤمنون الله نور السماوات والأرض 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 فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به Qu'est-ce qu'il y a? Tu souffres? Non, je ne veux pas être là. Tu viens de Mayotte? Oui. Que faisais-tu là-bas? Avec les jeunes. Ah, les jeunes bandes de petits adolescents? Oui. Et tu fais quoi avec eux? Il n'y a pas que des petits. Il y a des grands aussi? Oui. Des meneurs grands? Voilà. Et beaucoup de petits? Oui. Et que faisais-tu avec eux? On est avec eux pour la débauche, la délinquance et la perversité. Vous les poussez à la débauche, la délinquance et la perversion? Oui. Et pourquoi faites-vous ça? Parce que les sorciers nous ont envoyés. Les sorciers de Mayotte? Oui. Mais pourquoi les sorciers font ça? Parce qu'ils veulent retrouver ce qu'il y avait avant. Ah, ils ont perdu leur pouvoir. Oui. Parce que les gens vont moins chez les sorciers? Pas forcément, mais il y a beaucoup de choses qui ont été détruites. Beaucoup de choses qui ont été détruites? Oui. Et il y en a qui ont délaissé ce que faisaient les anciens. Ça veut dire qu'il y a des Maoris qui ont arrêté de faire les assiettes, les rumbas? Oui. Uhum. Mais il y en a beaucoup qui pratiquent quand même. Oui, ce n'est pas. Il y a des rituels toujours qui sont là. Donc les sorciers, pour relancer leur activité, vous envoient créer le désordre. Sait que c'est les jeunes qui vont prendre le flambeau. Alors c'est eux qui sont ciblés. Ah, il faut que les jeunes soient débauchés puis criminels pour qu'ils vont faire les gris-gris et les hélices et toutes ces choses-là qu'ils Parce aient qu'ils besoin des sorciers. Le pouvoir. Alors on leur donne le pouvoir. Ça les rend plus forts. Ça les rend plus forts. Surtout les plus démunis. D'accord. C'est qui utilisait. Oui, les pauvres, bien sûr, parce que les jeunes qui sont riches et en bonne situation n'ont pas besoin d'aller voler des supermarchés. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Eh bien, moi, j'ai mon patron qui veut vous parler. De quoi? Voilà, il va vous faire une proposition. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك les défendent. Pourquoi tu veux que la justice les défende? Vu qu'ils sont en plein temps. Pourquoi est-ce que la justice défendrait? C'est la franc-maçon qui te tient. Eux-mêmes sont pour tout ça. Pourquoi ils défendraient? Donc, la justice de l'île qui est tenue... Que je suis ton créateur. Oui. Je suis pas fou. Je préfère suivre là où je suis plus rassuré. وكان حقا que je comprenne bien. Donc tu veux dire que les responsables, les autorités de l'île qui viennent de métropole sont surtout des francs-maçons? La plupart. Et donc eux, ceux qui ne sont pas doivent suivre le mouvement dans tous les cas. Voilà. Ou se taire. Et eux donc ils cherchent pas à arrêter les délinquants ni à arrêter tout ce problème. Du tout. Pourquoi? Ça les arrange qu'il y ait de désordre dans l'île? Ils travaillent avec. Ah, c'est parce qu'ils sont sataniques, donc il faut que le mal se propage. Pas tous, mais la plupart. D'accord. Donc c'est pour ça que la justice ne fait pas grand-chose pour cette c'est situation. Ça. D'accord. Ok, j'ai compris.
Et toi, tu dis que si tu travailles pour le Créateur, tu seras plus en sécurité. Et tu aurais peur de qui exactement? Des sorciers humains. وكان حقا علينا نصر المؤمنين 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 Baiklah guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Website Syekh Abdur Rauf bin Halima ada di www.benhalimaabdurrauf.fr. Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan, seperti bayi yang baru lahir. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafara majelis. Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.